Hey, bon matin tout le monde avec cette petite pluie, une autre belle journée de pluie fine. Aujourd'hui, je veux parler du thème suivant. C'est la voix. Vous m'entendez souvent parler des différents programmes qui habitent notre esprit. Ces programmes-là nous coupent de notre bonheur. Alors, celui dont je veux vous parler, c'est le programme du devoir. C'est la voix qui dit « il faut, je devrais ». Il faut, je devrais. Si je me lève le matin, je dis « Ah oui, il faudrait que je fasse. Ah oui, il faudrait que je fasse un jardin. Ah oui, il faudrait que je prenne un voyage. Ah oui, il faudrait bien que j'applique pour ce job-là. Faudrait bien que je fasse un lunch. Faudrait bien que j'appelle mon chum. Faudrait bien que j'appelle ma chum, voir comment elle va. Ah, je devrais appeler mes parents. Ah, je vais faire ça. Ouais, il faudrait. Ouais, je devrais. Ouais. Je dois. Hein, différentes conjugaisons de verbes. Pour « il faut », « je dois ». Hein? Le verbe « falloir », de « devoir », puis qu'il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut. Alors, la plupart d'entre nous, on a cette voix-là. C'est un programme. Puis quand on est dans le programme, on est dans notre tête, on n'est pas dans notre cœur. Donc, pour retrouver l'équilibre, voici ma suggestion pour aujourd'hui, c'est un petit devoir. Drum roll. Okay. Alors, tu vas rediriger ton vocabulaire à « j'aimerais », « j'ai envie », « j'ai le goût ». Donc, ça a l'air vraiment peut-être... pour ceux qui travaillent avec moi, vous savez exactement de quoi je parle. Vous comprenez les voix, vous comprenez les programmes, vous comprenez comment qu'on joue le jeu de leur donner une voix, une personnalité, un nom pour les déprogrammer, pour diminuer le volume. Okay. Pour ceux qui m'entendent, puis c'est nouveau. Allô? Donc, ça veut dire que qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez savoir que ce programme-là de « il faut, je dois », tout ça, il vit à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à l'attraper. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, si tu te lèves, la première chose que tu dis, c'est « oh, faudrait bien que je fasse ça », t'es dans le programme. Si t'es en train de prendre un bain, t'es au spa, puis là, tu fais « oui, il faut, je dois ». T'es dans le programme. Puis quand t'es dans le programme, moi, je lui donne un nom. Appelle-la Joanne, appelle-le Paul, appelle-le Jocelyn, appelle-le Tivlimer. Tivlimer. Ticoquin. Tu peux donner la liste. Ah, le programme de la liste. Ouais, j'ai ça à faire. Des fois, quand on est dans le programme, ça nous donne, on devient excité parce qu'on est bon. Hein, on en fait des affaires, on en fait. Hey, je dois faire ça. Fatigant. Ça vient couper notre souffle. On est dans notre tête. Ça crée du stress, ça crée de l'impatience, ça crée de la colère parce qu'on respire plus. Alors, je reviens au devoir. Ma suggestion, comprends ton programme. Comprends que quand t'es dans ton bain, quand t'es au spa, quand tu te lèves le matin, même pour certains, c'est quand tu te réveilles au milieu de la nuit, pis t'es comme « Ah ouais, je devrais faire ça, puis je vais faire ça. » Puis tu jases. Tu penses que c'est toi, mais au fond, t'es en train de jaser avec le programme. Ce programme-là, c'est le nom que tu lui as donné. T'es en train de jaser Béatrice, jaser la liche, jaser le petit coquin. Fait que ça veut dire qu'au milieu de la nuit, quand tu t'attrapes, tu fais « Petit coquin, c'est toi qui es là? Tu veux là que je fasse tout ça, là? T'es en train de me dire que je devrais. » Okay. Puis, quand mettons, tu as la petite voix, ouais, je devrais me partir un jardin, fais juste dire, j'ai le goût, j'ai envie. Même si tu le sens pas, tu vas aller chercher une énergie, tu vas aller puiser dans ton âme pour développer un autre programme. Ta voix, j'ai le goût, j'ai envie. Ah, oh, ouais, je devrais appeler mes parents. J'ai envie. Ouais, je devrais faire un lunch là pour telle personne. Ouais, il faudrait bien que. Ouais, je vais donner de la nourriture, tu sais, je vais faire à souper. Il faudrait bien que je fasse à souper, là. Mais j'ai envie, j'ai goût, je veux, j'aimerais. Puis, connecter au verbe, fais juste penser au verbe. Le verbe, c'est de l'action. Mais quand tu connectes à « il faut »,« je dois », observer le stress du verbe. T'es dans ton obligation, t'as pas le choix, t'es pogné au mur. Tu me suis là. Mais j'aimerais. J'ai envie. J'ai le goût. Fais juste faire l'exercice toi-même avec ça.
L'idée, c'est de balancer, que tu ne peux pas vivre la vie toute ta journée dans le jeu, dans le devoir du « je devrais, il faudrait ». C'est quelque chose que tu as appris dans ton enfance. C'est quelque chose aussi, le mindset de notre culture. On est toujours en train de planifier. « Ouais, il faudrait bien que je fasse ça, là. Hein? C'est pas assez fatigant. Il faudrait bien que je fasse ça, là. Ouais, il faudrait bien ça, là. La 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 la. » Okay. Le moment en neurosciences, c'est pour ça que moi j'amène des noms aux voix. Au moment en neurosciences, quand tu l'attrapes, ce qui arrive, c'est que tu viens de le déprogrammer. Tu viens de créer un court-circuit au niveau de tes chemins neuronaux. Fait que tu viens de couper le chemin neuronal. Au moment que tu fais « ouais, c'est vrai, faudrait bien », tu viens de l'alimenter, puis là tu te lèves, puis là tu viens d'alimenter le programme. Au moment que tu l'attrapes, tu reviens à ta voix, tu reviens à ton instant, tu reviens à ton énergie, tu reviens à ton essence, tu reviens à ta vie, tu reviens à ton libre arbitre, à ton libre choix. Elle est là ta vie, elle est là tes émotions. Devoir? Oui, oui. Hein, on devient des petits soldats. Tant, tant, pam, 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 tchun, tchun, tchun. J'aimerais, j'ai envie, je veux. Fait que le programme arrive, c'est, il faudrait, non, j'ai envie, j'ai le goût, je veux. Essayez de voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, puis rappelez-vous, pour changer quelque chose, c'est la répétition. Ça veut dire que tu t'attrapes, ben oui, puis ça se peut que tu t'attrapes trop tard. Tu le fais, puis t'es comme, c'est drôle. Ça me le dit dans ma tête, au milieu de la nuit, le matin, au déjeuner, je fais la vaisselle, puis je suis en train de penser, ah ouais, il va falloir que je fasse ça. Pas dans mon moment présent. Pas en tout, là. Essayez ça pour le fun. Donnez-moi du feedback. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine.